En 2019, Tahereh Carpentier était en Guadeloupe. Deux ans plus tard, il se retrouve à rentrer dans un match de football au Havre à la 72e minute et deux minutes plus tard à marquer un but, son premier but chez les professionnels avec une équipe professionnelle, donc un gamin qui a fait la Corsair Foot Academy durant trois années. Ça veut dire qu'on suit aussi les gamins, on ne les laisse pas dans la nature. On fait des rappels aux parents, on leur redit qu'on sera là cette année, on aimerait encore revoir Atel, on aimerait revoir Tahereh. Et les parents de Tahereh nous ont fait confiance, jusqu'à ce que Luc Tonor envoie Tahereh avec Dominique Bijota à Ajaccio, Ajaccio qui a été la terre d'accueil de Tahereh et qui lui a permis d'éclore et de voir, voilà, aujourd'hui, on a ce gamin qui, au mois d'avril dernier, à 17 ans, a signé son tout premier contrat professionnel, alors qu'il y a deux ans, eh bien, il faisait encore partie de la Corsair Foot Academy. Voilà.